C'est Daoula Sylla, chargé du programme division promotion enfants et famille à la direction régionale de la promotion de la femme, enfants et famille CKP. Je représente ici la direction régionale de la promotion de la femme, des enfants et de la famille pour cette rencontre. Et d'abord, c'est une rencontre que nous passons chaque mois. D'abord, c'est très pertinent. À chaque rencontre, d'abord, avant d'aller au thème du jour, la Comad s'est fait une présentation de ce qu'est la Comad, ce que la Comad a à faire, ce que chaque membre de la Comad doit faire, ce que chaque membre de la Comad doit se comporter dans la vie. Pour la rencontre d'aujourd'hui, j'ai été très satisfait. C'est juste après cette présentation de la Comad sur les activités, nous avons eu à parler sur l'enrichissement à la naissance. Et l'enrichissement à la naissance, qui parle d'enrichissement à la naissance, parle de l'un des droits de l'enfant. Tout enfant qui n'a pas acte de naissance, ça veut dire qu'il est d'une manière oubliée, que ce soit sur le plan de l'éducation, sur le plan sanitaire, et sur les autres besoins dans le futur. Dans le second point, on en a parlé sur le mariage précoce, ou on appelle encore mariage d'enfant. Et là aussi, comme on en a parlé, les causes, les conséquences et les stratégies que nous, à peine, nous devons mener pour lutter contre ce mariage d'enfants. Et on a aussi fait des recommandations. Donc, à la sortie de cette rencontre, ce que j'attends, c'est comme dans le quotidien, c'est notre quotidien, c'est la sensibilisation. Je vais mettre toujours l'accent sur cette sensibilisation afin que le maximum de la population qui n'ont pas d'informations sur l'enrichissement à la naissance et sur le mariage d'enfants soit informé sur les textes et les lois qui parlent d'enrichissement à la naissance. Il y a des textes et des lois qui parlent de mariage d'enfants. Nous avons ratifié des textes, des conventions. Et hors de ces conventions internationales, le Mali aussi en a opté pour le mariage d'enfants, le mariage des filles à partir de 16 ans. Donc, toute fille qui n'a pas 16 ans, au Mali, ne doit pas être mariée. Et pour qu'on ait ça, il faut la sensibilisation de la population davantage. Je vous remercie. Merci.